C'est dans le cadre d'un véritable show à l'américaine que Ford vient de révéler la nouvelle génération de la Fiesta. Et ce n'est non pas une, mais quatre Fiesta d'un coup qui ont été présentées ce soir, à commencer par la Fiesta Active qui reprend les codes du SUV. Il y a trois autres versions, une version Titanium, une version ST pour la performance et une version Vignel qui est un peu plus haut de gamme. Ces quatre versions se différencient au niveau de la calandre et ont chacune leur personnalité. Rien à voir avec le modèle un peu cheap et carré qui est apparu en 1976. La Fiesta de 2016 se veut moderne, tant sur le plan du design que sur celui des prestations. Quand on s'assoit à bord, on découvre ainsi un écran tactile de 8 pouces intégré façon console flottante. Il donne accès à toutes les fonctions multimédia et hérite au passage de la dernière version du système Sync avec la réplication de l'affichage des smartphones Apple et Android, un accès à des services connectés et la reconnaissance vocale pour piloter la musique, le téléphone et la navigation. Autre délicate attention, un système audio proposé en partenariat avec Bang & Olufsen. C'est une première sur le segment. La technologie est également utilisée pour la sécurité avec une panoplie qui comprend 2 caméras, 3 radars et 12 capteurs à ultrasons. Cela permet par exemple à la Fiesta de détecter le danger jusqu'à 130 mètres en amont, aussi bien pour les autres véhicules que pour les piétons. La Fiesta peut aussi lire les panneaux de signalisation, en tenir compte pour adapter la vitesse, alerter en cas de dérive de trajectoire et tant qu'on y est, à se garer sans qu'on ait à toucher au volant. Un freinage automatique se déclenche même lors d'une marche arrière si un autre véhicule vient à débouler à ce moment-là. Bref, ce sont les aides à la conduite qu'on retrouve plutôt sur des modèles de segment supérieur. En ce qui concerne les moteurs, la marque reconduit le fameux 1 litre EcoBoost qui reste la référence dans les moteurs 3 cylindres à essence. Celui-ci va d'ailleurs s'enrichir d'un système de désactivation des cylindres pour réduire la consommation de CO2 en 14 millisecondes. L'électronique peut arrêter et redémarrer un cylindre. Pour paraphraser la célèbre formule d'un autre constructeur et qui s'applique à merveille à la Fiesta, mais que reste-t-il aux grandes ?